tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, c'est David K, j'espère que vous allez bien. Et comme vous le savez, on s'est quitté sur la chaîne David K Play en faisant quand même quelques défaites en ce lundi et mardi. Du coup, je vous avais prévu un deck spécial Grand Cru et ce que je vous propose, c'est de le mater tout de suite et de lâcher un maximum de pouces bleus. Objectif, 1000 pouces bleus, comme à chaque fois, vous le réalisez à chaque fois et ça me fait super méga trop plaisir. Je vous épargne le petit laïus du ça m'aide de référencement, etc., etc., etc. Vous commencez à savoir. Bref, merci à vous pour votre soutien, les amis. Et ça, c'est mon deck Grand Cru, c'est mon deck spécial, moi. Mon deck spécial. On va vraiment essayer de performer un petit peu avec ce deck. Il coûte cher, il coûte 4. Alors, en super défi, je sais vraiment pas trop ce que ça va donner parce qu'en ce moment, les decks de super défi, ils ont un coût en élixir très très bas. Mais je vous propose d'aller claquer les 100 gemmes. Et d'essayer de faire mieux que une victoire. Parce que pour le moment, on s'arrête à une victoire. Donc, c'est parti. Ok, on voit un gars, Monster Emergence, qui a fait une bonne action. Vu qu'il a dépensé 4,99€ pour le site d'action. Donc, n'hésitez pas, les amis, si vous avez l'occasion de craquer 5€. Et que vous savez pas trop, bah... Ah, alors ça, c'est intéressant. Bah, craquez-les dans le jeu, quoi. Voilà, mettez 5€ pour le site d'action. Alors, ce que je vais vous proposer, les amis, c'est qu'aujourd'hui, ça va être un petit peu le dernier deck de super défi. Et je pense qu'on repartira sur du super défi plus tard. Parce que, après, ce que j'ai prévu, en fait, c'était de vous faire du défi à l'aveugle. Hein, parce que j'ai toujours accès au challenge. Et j'avais prévu autre chose aussi. Alors. Non, je vais lâcher le golem, logiquement ça va être assez rapide. Il devrait progresser avant. Ah non, si, peut-être, la méga. Le golem il est devant. Oui. Ça c'est bon ça. Et regardez là le cimetière, regardez le cimetière les amis. Là le cimetière il va faire très mal. Logiquement, j'espère qu'on va win. Je vous le dis franchement, ce serait le premier match, une première victoire. Ce serait vraiment, vraiment, vraiment... vraiment bien. Merci. Hop, on va lâcher les petits archers. Hop. Oui, oui, la mousquetaire, les amis, qui restait en forme, qui restait là, qui restait présente. Et regardez, le petit archer mousquetaire, ça fait le combo à combien? À 472 PV. Je vous avais dit, hein, je vous l'avais dit que je vous préparais du lourd, du très très lourd. Je vous ai pas menti. Et là, on va tranquillement, et ben, tout simplement, aller chercher la tour principale, hein, à 472. Je vais lâcher un petit golem ici. Je pourrais même faire plus simple en fait. Je pourrais même aller la chercher en roulement, bûche et regarder. Alors, clac, hop, voilà. On va pas trop s'embêter avec le cimetière et tout. De l'autre côté, derrière, voilà, 102. Clac, 35. Et ben voilà, c'est gagné les amis. Première victoire, donc expéditive, j'ai envie de dire. Match bah, maîtrisé de bout en bout. Première victoire, plus 10 cartes, 500 or. Et vous le savez, la chaîne David Caplay, c'est réservé vraiment au gameplay. Néanmoins, si vous voulez un petit peu de pack opening, ce que je vous propose, c'est de me le dire dans les commentaires. Voilà. On va revenir un petit peu sur le let's play, d'ailleurs. Là, je l'ai laissé un petit peu de côté, mais on va y revenir, je pense, peut-être demain. Peut-être demain, ce serait pas mal. On est parti sur le second match, les amis. Et on est contre Genuine Canary 3, les légendes. Donnez-moi un petit peu à travailler sur le logo, là. Hein. Je n'ai pas eu beaucoup de retours. J'aimerais bien en avoir un petit peu plus. Alors, je lâche le golem. Il joue le mineur, pas mal. Pourquoi je dis pas mal? Parce qu'en fait là il vient de dépenser 3 d'élixir et c'est 3 d'élixir qu'il aura pas pour défendre le fameux golem. Donc moi ça me va, moi ça me va. Malgré qu'il ait quand même gratté 450 points sur la tour, ce qui est non négligeable. Alors clac. Clac. Et maintenant ça va être un petit peu tout pour le cimetière. Tout pour le cimetière. Alors, faudrait vraiment tuer le sorcier. Ouf. On va encore une fois, les amis, lui mettre le tarif de l'espace-temps au mec, là. C'est génial, hein. J'adore. Regardez. Oh là 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 là. Oh, les dégâts, oh, les dégâts, là. Les dégâts sur la tour. Est-ce qu'elle va tomber ou pas, cette tour? Ouf. Alors, les golemites qui vont quand même aller gratter. Vous avez vu les push qu'on fait, quoi. Oh là là, ça fait deux fois. Là, c'est pas de la chance. Vous avez dit que je vous préparais du grand cru. C'est du grand cru. Alors, hop. Hop. Faut quand même que je reste concentré là. Parce que je pourrais perdre. Hein, donc le match n'est pas encore fini. 1000 points sur la tour. C'est loin d'être terminé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un golem tranquillement.
et je vais repartir sur un push. J'ai une 30, j'aurai le temps d'aller à la tour. Donc, alors, peut-être que là, ça vaut le coup par contre. Ouais, ça vaut le coup, ça valait le coup, je m'en doutais. 805, on va pouvoir aller chercher encore des points. 200, 165, 31. La tour n'est pas tombée, mais vous l'avez vu, le cimetière fait son petit travail, fait son petit effet. Donc là, maintenant, c'est qu'une question de petites secondes hein, avec la bûche qui va bien aller et qui va terminer le boulot. Alors, je m'applique, vous avez vu quand même, j'ai mis la méga gargouille derrière. Je mets de la défense parce qu'il faut quand même faire, faut quand même faire gaffe. Hein. Donc là, on a le travail de la mousquetaire sur le géant. Hop, la tour qui ne tombera pas. Et hop, c'est le moment de placer le cimetière final, les amis. Donc là, logiquement, c'est win avec le cimetière. Et boum! Ça fait encore du 3-0, ça fait deux fois. On est vraiment pas mal. Là, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que Golem Cimetière, si c'est pas géré dès le début, ça fait très très mal. Et le Cimetière, pour moi, c'est une très 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 bonne carte. Je vous le dis sincèrement, pour moi, c'est l'une des légendaires là qui fait la diff actuellement. Comparé au Dragon de l'Enfer, il n'y a pas photo. Enfin, je veux dire, pour moi, bien plus efficace, bien plus puissante. Certains ne l'apprécient pas. Moi, je l'adore. Personnellement, sur ça... Je reste sur mon idée du cimetière efficace. Je trouve que c'est assez simple en fait et efficace à jouer. T'as pas forcément besoin d'une grosse stratégie. Je veux dire, même demain t'envoies mineur plus. Non, clac. Alors, demain, oui, t'envoies. Ce que je disais, c'est que t'envoies demain ton mineur plus le sort de cimetière. Bah, tu fais le taf quoi, clairement. Alors là. S'il a pas de zap, ce serait vraiment... Ah, ça, c'est pire que le zap, encore. Ah, j'ai pas touché, là. Alors, est-ce que je vais mettre... Oh là 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 là. Bon, bah, écoutez, on va partir sur un golem. Il est content. Je lui dis bien joué, parce que je sais qu'en repartant sur le golem, il a pas encore vu l'atout majeur de mon deck, en fait. Donc, forcément, là, il se dit, tiens, on a fait un premier roulement de cartes, je suis en confiance. Je pense qu'il a l'élixir à 10 aussi. Alors, j'ai lâché ma première troupe, on va voir. J'ai peut-être un petit peu d'avance. Le mineur qui m'arrange bien, là. Alors, ici, la tombstone. Attention. Et là, ma tour va prendre tarif. Donc, autant vous dire que si, si mon push n'est pas royal, là, ça risque d'être compliqué. Ah! Merde, je voudrais bien que les archers y restent. Je voudrais bien que les archers y restent. Les archers sont restés. Allez, je propose un cimetière. Ça va détourner l'attention. C'est pas mal avec les archers qui devraient continuer du coup de travailler. Et la tour qui va tomber finalement. Il décide de défendre avec la princesse. Ça pour moi, c'est pas mal. Parce que ça veut dire que je peux commencer à repartir de l'autre côté et m'en soucier. Même pas. Je vais même pas me soucier de la princesse. C'est génial. Il aurait, selon moi, il aurait pas dû défendre. Mais bon, donc là il va sûrement faire une agression au mineur, c'est très très bien. Et ce que je vais faire, c'est ça, plus ça, et de suite jouer les archers en retrait. Là on est pas mal les amis, là on est pas mal, je vous le dis, la défense elle est bien, elle est solide. Oh, deux coups, dommage, deux coups c'est dommage, je pensais qu'il en mettrait qu'un. Ok, la boule de feu c'est joué. Et là, là c'est pareil les amis, c'est cimetière, hein. C'est cimetière, regardez, c'est cimetière de suite pour tenter vraiment de faire une grosse diff. Allez, je pense qu'on peut y arriver à faire tomber la tour, et peut-être même la tour principale. Je continue de jouer des troupes vraiment partout là. Là c'est, il faut aller faire créer, faut créer l'invasion là, faut créer l'invasion. Il y a trop de troupes, la tour principale qui va tomber, peut-être, oui, non, oui, peut-être, oui. Elle va tomber, et c'est une nouvelle fois une victoire, on est à 3-0 les amis. Et là j'ai bien envie de le troll parce qu'il m'a trollé au début. Du coup c'est mérité. On est à 3-0 et j'ai envie de dire, je vous ai pas menti. Je vous avais promis du grand cru, je vous avais dit demain on revient en force. Et on est revenu en force. Donc on va continuer. Je pense qu'on peut faire une belle série de victoires sur ce super défi. Alors quoi qu'il arrive, on fera pas le super défi en une seule fois. Et demain on reviendra peut-être sur du let's play ou la suite. Et on se retrouve pour peut-être la fin plus ce week-end ou quelque chose comme ça. Alors ça... C'est pas mal le fût pour moi parce que bon, alors il met un tarif sur la tour, hein, il prend 700 points, c'est énorme, c'est vrai. Mais d'un côté, c'est pas si énorme que ça en fait. D'un côté, c'est pas si énorme que ça parce que là, ça me permet moi de... Mais regardez, de me démarquer tout simplement, de tenter peut-être
de réussir mon agro, ce serait vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Alors là, j'espère qu'il a pas... C'est là que tu dis que le foot, c'est génial, hein. C'est là que tu dis que le foot, c'est génial. Tendu, 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 tendu. J'aurais pas le temps de jouer le cimetière. Néanmoins, regardez, la méga gargouille qui devrait aller mettre au moins deux coups, je pense. Alors, un coup, deux coups et deux coups. Deux coups, c'est pas mal. On est revenu à hauteur sur la tour. 1561, 1519. Je pense qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment la place. Je rejoins Golem. Je continue ma petite stratégie. Je pense que je peux passer. J'ai vu qu'il avait la horde. Il a pas vu que j'avais le baby dragon. Donc là, pour le coup, ben, jouer le baby dragon avec... bien sur le côté en fait. Il va refaire la même chose, il va refaire le même cycle. Et moi je vais refaire le même cycle. Sauf que bah, je vais jouer le baby dragon. Regardez. Clac ici. Et là regardez. Voilà, je vais attendre qu'il joue la horde. Hop, je le pose. Je pense qu'il va jouer la horde assez rapidement. Alors clac, clac. Dommage, c'est tombé. Alors ça, ça fait un petit peu mal. Ça aurait peut-être pas dû tomber. Ah, je me tâte à jouer plus. Non, alors cimetière. Cimetière, logiquement, il est joué. Ah, j'allais dire, il est joué assez tôt. Mais là. Alors là, attention. Attention à la défense, les amis. Attention à la défense. Va pas falloir faire n'importe quoi, là. Ouf. On n'est pas si mal, je pense. Parce que là, on aurait pu prendre plus gros tarif que ça. Il fait pas tomber la tour. Exceptionnel. Exceptionnel. Alors. Je rejoue le golem un petit peu plus en avant. Je pense que j'ai un petit peu plus d'élixir. Et il faut surtout que je protège ma tour là. Parce que je peux plus me permettre... Ouh, il attaque de l'autre côté. C'est assez présomptueux, je trouve. Ah, c'est bien joué. Ça touche. Alors là, là les amis, là, la partie se joue. Là, la partie se joue. Regardez. La partie se joue. Le cimetière qui va être juste génial, je pense. Alors, hop. Et moi, je vais insister ici, là, parce que faut vraiment faire tomber la tour. Là, ça rigole pas. Ok, la tour qui est tombée. De l'autre côté, on est à 2000. Ça va, du coup. Et on va rentrer, du coup, dans l'extra time et prolonger le match. Alors, clac. C'est vraiment le premier adversaire qui me tient en tête. Et là, un très, très bon, rendu de la bûche, du coup, parce que, comme vous avez pu le voir, eh bien, elle m'a débarrassé des gobelins et affaibli le mineur. Donc, alors, clac. La méga. Ici les archers. Hop. Alors là vous avez vu là c'est chaud. Là c'est très très chaud les amis. Là c'est très très chaud. Hop, et je joue mon cimetière. Va-t-il faire la diff? Le cimetière va-t-il faire la diff les amis? Le cimetière va-t-il faire la diff? Regardez, j'ai défendu quand même de l'autre côté. On a le cimetière qui continue de progresser. Non, 1300 sur la tour. Le baby dragon qui continue de frapper, qui fait un beau travail. 805. Donc moi, hop. J'amène le golem ici. Pourquoi je fais ça? Vous le savez, maintenant, il m'apporte une défense, le golem. Donc, clac. Et là, maintenant, je garde la bûche pour contrer le mineur et le fût à gobelin qui va être joué. Où il faut un minimum de 5 d'élixir. Clac, ici. La bûche qui est faite visiblement par l'adversaire. Clac, de suite. Il voulait sûrement jouer son mineur qu'il a loupé. Du coup, pour moi, là, c'est victoire, logiquement, si je fais pas trop de bêtises avec le cimetière. Je pense que, de toute façon, même s'il avait pas misplay sa bûche, on serait quand même passé. Clac. Voilà, 1 sur la tour, victoire, on est à 4-0 les amis, 4-0 avec ce deck. Comme quoi, faut que je prenne mes decks, ça sert à rien que j'essaie les decks des autres. Je vois pas pourquoi on fait ça, ça sert à rien, la preuve est là. 4-0 les amis, ça fait plaisir, on a combien là? On a 13 minutes, ben, on va se faire encore un petit match, je pense, histoire de boucler cette vidéo, j'espère par une victoire. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de ce deck, si vous avez débloqué le cimetière ou non. Je vais pas vous dire que vous pouvez remplacer le cimetière par telle ou telle carte parce que c'est pas vrai. Le cimetière est clé sur ce deck. Le cimetière est clé. J'ai pas d'autre truc à vous dire. Vous avez pas le cimetière, c'est pas possible. Voilà, je préfère vous le dire, essayez d'autres decks les amis, plutôt que de vous dire ah, je vais prendre ce deck. Mais je vais remplacer le cimetière, ça marchera pas. Ça fera pas le même effet. Alors ça c'est intéressant, et là il a un très très beau combo de défense, et ça c'est plutôt chiant. Alors ça c'est plutôt pas mal du coup, parce que là je vais... Enfin, regardez. Ouais. Parfait. Ah dommage, je pense, les petits squelettes il les a, vous avez vu. En fait la tombstone elle a explosé juste mais une demi-seconde avant que le bouliste il envoie sa boule du coup. Et du coup, bah, je me suis fait avoir. Alors là, par contre, l'esprit de feu, ça va être... Va falloir voir, mais moi, je suis plutôt confiant, là, parce que...
Allez. Allez, clac. Et là, si je peux placer un cimetière, ça va aller très très vite. Ça va aller très très vite. Non. Faut pas que je place le cimetière. Faut pas que je place le cimetière, pourquoi? Parce qu'il a très très bien défendu. La Valkyrie qui l'amène très très bien. Là, mon cimetière, bah, défend pas contre les troupes aériennes. Donc, de toute façon, il va placer le géant. Il va placer le géant, ce qui est très très bien joué. Clac le Big Dragon juste là, je voudrais bien, ouais, super. Alors là, je devrais pas trop mal m'en sortir. Et je vais même tenter, regardez les amis, d'accélérer un petit peu en... avec les archers qui vont logiquement protéger la méga, je l'espère. Eh, bien joué les archers sur la défense. C'est ce qu'il fallait faire. 1300, 1300. Hop, ma petite mousquetaire. Alors là, je veux préserver ma vie de la tour en essayant de revenir un petit peu à niveau. C'est-à-dire qu'il faut que je récupère beaucoup d'élixirs là. Absolument. Alors, du coup, alors, c'est un peu contradictoire ce que je vais vous faire là, mais je vais jouer le golem. Oh, ça va être chaud. Ça va être très, 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 très chaud. Alors, c'est, franchement, c'est jouable. C'est jouable. Faut juste que je fasse pas n'importe quoi. Hop. Et là, si je récupère le cimetière, je pense qu'on peut discuter. Je pense qu'on peut discuter si j'arrive à récupérer mon cimetière assez tôt. Allez, 300, 150. La tour est tombée, les amis. Il faut que je me protège. Alors, le cimetière, vous avez vu, il fait diversion sur tellement de choses, là, que bah, du coup, mes troupes de fond passent. On est très, 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 très bien sur la défense. Je repars de l'autre côté parce que j'ai peur de ne pas réussir à défendre suffisamment. Et en partant de l'autre côté, bah, du coup, je m'assure entre... Alors, ici, il va passer. Très bien. Il a joué toutes ses troupes. Il passe. Alors, attention à pas me faire, à pas me faire avoir. Non, même pas. Il a pas le temps, le pauvre. Il a pas le temps. C'est pas cool. J'aurais défendu sur la gauche pour vous donner un petit peu la stratégie. J'aurais défendu bien sur la gauche derrière les archers et la méga gargouille. Comme ça, il aurait resté que le géant. Parce que si tu défends le géant, il va avoir le temps de poser des troupes derrière et il va te noyer, en fait. Du coup, et j'aurais un petit peu, bien sûr, appuyé mon golem tranquillou. Donc, mes séries de 5 victoires avec ce deck. Avec ce deck grand cru David Kerr. Voilà. Les amis, merci d'être restés jusqu'au bout. Encore une fois, voilà, on découvre des decks ensemble, on teste des decks. Vous le savez, sur la chaîne David Kaplay, le but est d'amener la découverte des decks pour des joueurs peut-être un petit peu plus novices. Alors, il y a des mauvais decks, des bons decks. Je dis pas que là, même j'ai fait 5 victoires, mais ça se trouve, il y avait mieux à faire. J'aurais pu mieux gagner encore. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. On partage. Et à vous rendre sur la chaîne David K pour des sujets un petit peu plus légendaires, épiques et what the fuck. C'est sur la chaîne David K, donc n'hésitez pas à vous abonner aux deux chaînes. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo Clash Royale, les amis. Merci de rester jusqu'à la fin. Salut.